La coopération Togo-Égypte s'est encore renforcée vendredi dernier par un don de l'ambassadeur de l'Égypte au Togo de kits scolaires et de médicaments que des élèves de l'école primaire et publique d'Adjomé Badougbé, une localité située dans la préfecture de Vaud, ont réceptionné. C'était en présence de Madame la ministre en charge du développement à la base, de la directrice générale d'Anadeb et du PDG du groupe Bolloré. Pour l'ambassadeur, c'est un geste d'amitié et une petite contribution de l'Égypte au Togo. Un geste d'amitié, de fraternité, à continuation de relations historiques entre nos deux pays. Maintenant, les relations sont au beau fixe et c'est notre conviction en Égypte que le développement de notre continent africain s'arrive toujours avec les jeunes et les jeunesses, mais avec les enfants aussi. Et avec l'éducation. Et c'est pourquoi, comme j'ai fait avec des autres villages, c'est juste une petite contribution. Le directeur de l'école primaire et publique a remercié l'ambassadeur pour ce don. Et nous remercions monsieur l'ambassadeur de l'Égypte au Togo qui a choisi ce moment très, très précieux pour accompagner nos élèves. Vous savez, dans nos classes, il y a certains élèves qui sont arrivés avec une partie de fournitures exigées, certains n'ont rien du tout. Donc c'est le moment, ces fournitures peuvent les aider à bien travailler. Il faut noter que plus de 3500 cahiers de 100 et 200 pages, 500 stylos, 500 crayons, des sacs, des colliers et des ensembles géométriques ont été distribués, ainsi qu'un important lot de médicaments de première nécessité.